Allô, comment va? Ça fait longtemps, hein? Ça fait au moins 4-5 jours. Ça fait une éternité dans le monde de YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Explore Malorraine. Et on se retrouve à Romba. Comme vous pouvez l'entendre, pour quelques cascades sympathiques. Ouais, petit signe qui remonte le courant. Joli petit endroit. Bon, ben, c'est pas des cascades de fou comme on a vu précédemment donc certains autres épisodes, mais ça fait le taf, hein. On est là pour passer du bon temps, se promener, et la mission est réussie. Bien sûr, ça vaut pas les Vosges ou des régions montagneuses avec des cascades de 20-30 mètres. Mais au moins, on sait qu'en Moselle, il y en a quelques-unes pour ceux que ça intéresse. Voilà, tout simplement. Bon, on va essayer de s'approcher sur les rochers là-bas. On va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas me casser la gueule. J'ai l'appareil dans la main. Un peu de galère. Oh, ça glisse de ouf. Whoa.
Joli petit coin, hein. Très nature. Beaucoup de cyclistes. Beaucoup de promeneurs. Une petite randonnée en famille. C'est sympathique. Je me rapproche. Après, on dirait qu'il y a moyen de peut-être de passer par là. Le mec qui veut toujours se compliquer la vie alors qu'il y a toujours des trucs beaucoup plus simples. Ça, c'est ma spécialité, ça. Non, le chemin a l'air pas trop mal. On a un autre là. On va aller voir ça de plus près. Hop là. Putain de sa mère. Non, 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 j'ai pas failli me tuer de nouveau. Non, non. Je crois pas que je puisse être plus près là. Moi que je sois dedans. Je crois que je suis bien là. Voilà. On va se retrouver de l'autre côté de la petite cascade, un peu plus de hauteur. Et on était là en face, nous, tout à l'heure. C'est Ortiland ici. Oh putain, un serpent, nom de Dieu. Ah. Putain, c'est rare des pentus, bordel. Je vais me tuer. Je vais me tuer. Ah. Oh, je dis un serpent, mais c'est une couleuvre. Hein. Ici, il n'y a pas vraiment de serpent. Hein. Hop là. Ploup, ploup, ploup. Et hop là, Ortiland.
une grande diversité d'oiseaux. En espérant que ça dure. Hein. La dernière, qui est en fait la troisième, mais de l'autre rive. Et puis cet épisode touchera à sa fin. Oh mais non, pourquoi ça finit déjà? Moi je veux que ça continue. Mais si, il faut bien. Il faut bien que ça se finisse. Ça va être nettement plus compliqué, hein. Je vais carrément lâcher l'affaire parce que honnêtement j'ai les jambes en feu, déchirées par les orties, par les ronces, par les cailloux, par tout ce qui bouge et ce qui bouge pas. Je pense que là, on va s'arrêter là.